Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui parce que je voulais pas rester sur un échec avec le dernier vlog. On est d'accord que ça n'a pas été le vlog le plus productif sur cette chaîne. Je me suis dit, c'est bon, ça suffit, on va essayer de rattraper le coup. Parce que hier, j'ai rattrapé le coup un petit peu de ma productivité en écrivant 1200 mots, je crois. Je me suis dit, pourquoi pas réessayer aujourd'hui. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions que le dernier vlog, puisque la dernière fois c'était un jour de repos et je me suis pris tard, sans avoir aucune excuse, je me suis pris tard, c'est tout. On va pas tout mettre sur le dos de l'été où je suis devenue jolie, juste je ne sais pas, je ne suis pas une bonne, je ne sais pas manager mon temps, vraiment, vous avez dû le découvrir déjà depuis longtemps, je ne sais pas manager mon temps, voilà, qu'on soit clair là-dessus. Mais là aujourd'hui on est mardi, j'ai travaillé, il est déjà 19h, mais je me sens pousser des ailes, comme bien trop souvent, et j'ai envie d'écrire 2 chapitres d'ici à ce soir 23h. Je me mets 23h, dernier délai. Je me connais, je vais pas aller jusqu'à 23h, dernier délai, je vais faire plus. C'est pas grave, on veut écrire 2 chapitres. Pourquoi je vois aussi haut? Parce qu'en fait, on est à un stade de mon histoire où j'ai déjà écrit genre une très grosse partie d'un de ces 2 chapitres, donc je pense que ça peut se faire, j'ai juste à relier certains éléments, mais normalement ça devrait le faire. Il y a vraiment un chapitre qu'il faut que j'écrive de A à Z, mais l'autre, il est déjà bien fait. Donc on va voir si on y arrive. Wendy vient de faire un dérapage non contrôlé. Contrairement à ce qu'on peut croire, on est encore en été, hein. Mais il faisait frais aujourd'hui parce qu'il a fait orage. Donc j'ai un petit short cycliste, j'ai les chaussettes qui vont avec mon pull. C'est un petit pull de chez Les Hommes à H&M. Je l'ai acheté à 8€ en solde. Et mes chaussettes, c'est aussi des chaussettes d'hommes H&M à 1€. Voilà. Je profite en même temps pour faire les petits outfits. Je mélange tout, comme vous pouvez voir. Voilà, voilà, j'ai déjà installé l'ordinateur. On a essayé d'être productive aujourd'hui. Je ne vais pas mettre dans mon canapé, je vais mettre sur la table. Parce qu'on sait que je suis plus productive à table. Seul bémol, aujourd'hui, comme j'étais au travail, j'ai mal au crâne. Mes chats sont complètement excités, mais ça c'est habituel. Mais le problème, c'est ma migraine. J'ai peur que ça me handicape. J'espère qu'elle va finir par partir. On va croiser les doigts. Ah, et je vais pas vous cacher que, en fait, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que je me suis dit, meuf, j'aime bien ta coupe de cheveux. Genre, je me suis dit ça comme si c'était pas moi qui me l'étais faite ce matin. J'aime bien ta tenue. Et de base, je devais faire, en fait, ma vidéo, dont je vous parle depuis plusieurs fois, sur mes lectures de mes vacances. Sauf que j'attends d'avoir fini le livre Sorcellerie végétale. C'est des nouvelles, encore une fois. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je l'ai expliqué. Et il me reste un petit peu et je lis que le matin en fait. C'est déjà bien pour moi, j'y vais petit à petit. Donc j'ai pas encore fini et je veux vraiment avoir fini ce bouquin avant de vous faire la vidéo. Donc au début je voulais faire ça et puis je me suis dit mais non. Mais il faut quand même que tu fasses une vidéo. Donc clairement la motivation aujourd'hui c'était un parce que je sentais que j'allais pas mal écrire. Mais aussi ma tenue et mes cheveux. Parce que sinon c'était pas... voilà, bref. On va dire que la motivation pour filmer ne vient pas exactement de l'écriture aujourd'hui. Mais c'est pas grave. La motivation est quand même là. C'est parti les amis. On va peut-être aller faire pipi avant de rester assise parce qu'on connaît que je fais pas de pause pipi. Okay. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais prête et que je mettais la table du coup. Mais je voulais vous montrer parce que je vous dis souvent que en ce moment, mes habitudes d'écriture changent. Donc un truc qui n'a pas changé, j'ai toujours mon post-it avec le nombre de mots que j'ai écrit pour calculer, voilà, pour voir mon avancée. Genre là, j'ai les mots que j'avais en total hier avec l'heure à côté. Là, je vais mettre l'heure à laquelle j'ai commencé. Enfin, à laquelle je... Bref, on n'y arrivera jamais à expliquer un truc sur cette chaîne. Je suis mon nombre de mots sur ce post-it. Voilà, ça suffit, je n'y arriverai pas. Mais maintenant, il y a un truc qui a changé. Avant, vous savez, j'avais mon fichier d'écriture à droite, toujours. C'est un truc que je fais toujours à droite et en 80%. Ne me demandez pas pourquoi. Là, vous voyez, j'ai changé de logiciel et il ne fait pas le 80. Il fait 75 ou 85. Et moi, je veux pas. Je veux 80.
Voilà. J'ai trouvé en plus en live, en direct avec vous, comment il faut que je fasse pour le mettre à 80. Ça, c'est pareil, c'est des tics que j'ai. Je ne peux pas me l'enlever. Je veux toujours que mon dossier soit. Je ne l'écrirai jamais en grand sur mon ordi. Ce sera toujours la moitié de mon ordi, de mon écran, en 80. Je ne peux pas faire autrement. En zoom 80%. Et maintenant, avant, j'écrivais avec de l'ASMR à gauche. Et ben, depuis hier, j'arrive pas à me concentrer, même avec de l'ASMR. J'ai besoin de silence, juste le bruit de mes chats. Et avec mon Pinterest de l'histoire. Donc avec mes personnages, alors eux vous les avez pas encore rencontrés, mais normalement bientôt. Voilà, elles n'ont plus. Enfin bref, j'ai le mood board en gros de mon histoire à côté. J'ai jamais fait ça avant, mais hier j'ai écrit et je dis ah bah non, je veux pas de l'ASMR, donc j'ai enlevé l'ASMR, ça faisait vide à côté. Je dis ah mais il faut que j'ouvre quelque chose, donc j'ai ouvert mon Pinterest. Voilà comment j'écris en ce moment. Donc bah écoutez, on en est au chapitre numéro 19, je crois. Je vais relire le chapitre 18 que j'ai écrit hier. Et après, on se retrouvera pour écrire le 19. Ça y est, j'ai fini de lire mon chapitre 18. Il est en 20 minutes à peu près. Il est 19h36. Et j'ai rajouté des mots. Du coup, je suis à 42 395 mots. Ce qui fait que j'ai rajouté 90 mots par rapport à mon texte d'hier. Voilà. Du coup, on se retrouve dans... Je fais souvent ça par tranche de 30 minutes parce que j'ai une concentration qui est assez limitée. Du coup, on se retrouve dans 30 minutes, c'est-à-dire à 20h. Parce que c'est pareil, c'est des tocs que j'ai. Même si j'ai commencé à 36, il faut que je fasse ça des heures pile. Donc on se retrouve dans 30 minutes pour savoir combien j'ai écrit de mots dans ma première demi-heure. Il est donc 20h et à 20h j'ai un peu avancé hein, mais j'ai beaucoup cherché sur mon Pinterest parce que j'introduis un nouveau personnage du coup et j'avais besoin d'avoir son visuel. Donc, du coup j'ai un peu cherché mais j'en suis quand même à 42 696 mots, ce qui fait 301 mots, sachant que je compte ceux que j'ai réécrit tout à l'heure. Pourquoi j'ai cette intonation chiante? En gros, j'ai 391 mots pour la session du jour. Bon, on va essayer de continuer au moins jusqu'à 21h. Je pense que je vous retrouve dans une heure maintenant parce que comme je suis lancée, je pense que je peux faire une session d'une heure. Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim? Non. Par contre, j'ai plutôt de la gourmandise que faim. Mais ça peut être nécessaire que je me prenne un verre d'eau. J'ai encore changé de cadre. Je pense qu'il n'y aura aucun moment où la vidéo aura le même cadre. Je n'ai pas beaucoup écrit parce que je suis coincée. Voilà, il fallait que ça arrive. Hein. Moi qui étais déterminée et tout, je suis coincée. J'en suis à 43 377 mots, ce qui fait... les calculs de tête, donc ça va prendre du temps. Ça sent 81 mots, je vais vérifier quand même avec la calculette. 681 mots. Enfin, si j'en oublie, ça va pas le faire. Donc 681 mots, ce qui fait que depuis le début, ben j'ai à peu près écrit 1000 mots. C'est pas mal, on est d'accord, ça va. Que j'adore me faciliter la tâche et que là je vais les deux, enfin il y a un personnage qu'on avait déjà vu, il n'est pas encore sur Wattpad mais voilà je l'avais déjà créé et en fait il est en couple avec un gars qui s'appelle Edgar et lui il s'appelle Eugène. Vous sentez le trouble dans mon cerveau à chaque fois que j'écris, je mélange les deux. J'entends, j'ai écrit Eugène passe son bras sur les épaules d'Eugène. Non, non, non,
ça marche pas comme ça. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien relever des défis, me mettre un petit peu. Mais bon, on va continuer d'écrire. Je pense qu'en fait, le chapitre suivant, ce sera pas le chapitre avec la scène que j'ai déjà beaucoup, beaucoup écrit. Il va y avoir encore un autre chapitre avant. Du coup, je suis un petit peu dans le caca pour écrire mes deux chapitres du jour, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà écrit 1000 mots et que je pense que je peux être contente puisqu'il me reste encore 2 heures à écrire. Il faut juste que j'arrive à me décoincer. Déjà, là, je pense que je vais reprendre ce que j'ai déjà écrit de ce chapitre-là parce qu'en fait, je me rends compte qu'il me manque quelques petits détails, donc je vais les rajouter tout de suite tant que j'y pense. Et après, je continuerai de l'écrire et peut-être que ce sera le moment de passer au chapitre suivant. Parce que là, il ferait que 1000 mots, celui-là, il me faut encore un petit peu, mais peut-être qu'avec ces détails, ça va aller. Du coup, on est reparti. On change encore d'angle, mais cette fois, c'était parce que je vais la lumière un peu, parce qu'il fait nuit. Il est 22h30. Du coup, on va faire notre petit calcul. 22h30. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça. Mais comme je suis dans le fait de vous parler beaucoup de mes... Oui, Manouille. De mes tics et de mes tocs. En fait, que j'écris mes chapitres en général entre 1500 mots, 1300 mots et 2300 mots. Mes chapitres font à peu près cette taille-là en nombre de mots. Parce que moi, je calcule en nombre de mots et pas en nombre de caractères. Ou en nombre de pages. Je calcule toujours en nombre de mots. Et du coup, là, je me suis arrêtée parce que ce chapitre est arrivé à 1700. Donc du coup, je vais vous dire combien j'ai écrit de mots tout de suite. Bon, on va le faire avec le téléphone parce que comme j'ai pas beaucoup de batterie sur mon appareil, j'ai peur qu'il lâche, ce qui va certainement arriver avant que j'ai pu vous lire tout ça. Là, j'ai écrit 799 mots. Donc il faut que je fasse vite fait mon calcul pour savoir en entier. 1871 mots aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt pas mal. Non, j'espère que vous trouvez que c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout qu'au final, je croyais que j'avançais pas. Et c'est quand même bien d'avoir fait 1871 mots. En ce moment, j'ai cette impression d'avancer sur rien. Genre quand je fais des randonnées. L'autre fois, on m'a fait une randonnée de 15 km hier. J'avais l'impression que c'était hyper facile. Et qu'en fait, j'avais pas forcément avancé. Alors qu'en fait, on a quand même fait 15 km. Bref, c'est un peu la même chose sur l'écriture. Sur ce, c'était une journée plutôt productive. Plus productive que le dernier vlog. Du coup, j'espère que vous, ça a été productif pour faire tout ce que vous aviez envie de vous faire. Je suis désolée pour tous les changements de cadre tout le temps, pour le côté un peu brouillon de tout ça. Mais on s'est... Ça a coupé, je savais plus ce que j'étais en train de dire. Du coup, je vais arrêter de me presser, ce que je vous dis. Je dis souvent le nombre de mots que j'écris, mais c'est pas du tout pour mettre la pression, comme d'habitude, à qui que ce soit. Chacun écrit à son rythme, chacun écrit comme il peut. J'espère, du coup... Par rapport à ça, que vous, vous avancez comme vous le voulez, comme vous l'entendez, que vous avez votre inspiration. Moi, il y a un moment, là, ce soir, où je me suis dit, je vais pas y arriver parce que je sentais la fatigue monter. Et je me suis dit, si je m'endors, j'aurais rien fait. Mais j'ai fait quand même. J'ai pas fait les deux chapitres que je voulais. Je pense que finalement, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, le prochain chapitre sera bien celui que j'avais commencé à écrire. Mais là, j'ai plus le temps parce qu'il est déjà, à force de parler, bientôt 23h. J'ai envie d'aller me coucher parce que je travaille demain, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on va se contenter de ces 1800 mots, parce que ça fait plaisir de les avoir faits, de les avoir écrits. Et du coup, j'espère que vous, tout va bien, que vous créez comme vous voulez, que vous restez qui vous êtes, comme vous l'entendez, que vous êtes là pour vous-même. Et c'est le plus important, que vous, voilà, que vous êtes vous-même, que vous répondez à tout ce que vous attendez de vous-même. Que voilà, la création se fait quand même, peu importe ce que vous créez. J'espère voilà, que vous vous épanouissez dans votre vie, dans votre personnalité. Donc continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez de tout faire pour vous. Et moi je vous dis à très vite. I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better.